Jean Edner, magistrat commune à Kayé. Nabdi, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, M. Guerrier. Bonjour, M. Johnny. Merci, bonjour, M. Ronald, des hommes. Bonjour, M. Païsien. Bonjour, le monde. Bonjour, Mouna à Kayé. Mathieu, c'est un plaisir pour moi de m'intervenir sur Entre Radio Caraïbes pour me parler de questions qui mettent face à face pour prioriser Calicodo face avec les responsables de Digicel. Donc, nous-mêmes, dans la commune en carrière, moi, c'est un ancien directeur général, 2016 à 2020. Et 2021, aujourd'hui, je suis magistrat. Donc, moi, je pose un problème là. Le rapport à mes droits, il faut connaître le droit. Nous avons responsable Calicoyo. Monsieur Paret, depuis que j'ai acheté l'hôtel Plaza, de 2016 à aujourd'hui, je n'ai pas payé un goutte. Premièrement, il n'y a pas un peu de taxes sans d'arrêter CFB accès pour le quartier flan. Et ensuite, il n'y a pas payé tout, fermage pour l'espace, l'État l'a jouir. Et l'aime pas la personne qui est dans la commune, puis directeur fiscalité de New York, il dit nous que Calico doit environ 8 millions de gouttes. Si Calico n'a pas payé, il prend des bords de police, sécurité de pression, il prend. Finalement, nous avons une situation difficile. Au contraire, c'est pareil, ma pareil pour moi sommer Calico encore vous voyez, avec la psychodégie pour vous voyez, la répondre avec le devant fiscal Lio. Et qui, d'un coup, eh bien, il y a un problème qui pose dans tout le pays. Côté que DICL, il y a un problème dans le cab sous-marin, il n'y a pas arrangé et Calico réclame environ 2,5 millions de dollars pour le payer. Avant de gagner accès à l'espace. Moi, je suis bien content de ça comme ça, et je profite de ça pour me dire, Calico, le fait que la boucle a mis ça à gagner dehors, nous-mêmes, tout faut un, payer environ 8 millions de gouttes pendant plus de 10 ans qu'elle doit mériter en carrière, comme une carrière. Et deuxièmement, tout, faut le payer, c'est marginal tout avec l'État et ceux qui sont comme pour l'État central. Oui, alors? Oui, magistrat. Oui, moi tando et auditoire là ça m'a retenu tout tande que ou dit pendant responsable Calico a réclamé et dette que DICL t'a gagné pour yo et par rapport avec cab qui passait dans propriété a vos autorités oui. De la mairie nous tout profiter occasion mais est-ce que nous gon administratif OK qui fait c'est-à-dire non seulement nous fait calcul là mais nous saisit responsable yo et pour attirer attention sur ça et mander pour faire ça dans le plus bref des délais. Chaque année, alors, année fiscale a commencé le 1er octobre, il finit le 30 septembre. Chaque année, nous voyons Bordeaux pour lui. Chaque année, nous voyons Bordeaux pour lui, mais nous allons répondre avec vous, les ventes fiscales, les mairies, les communes, les carrières. Et pour l'instant, dans l'année fiscale 2023-2024, il y a gagné Bordeaux à la mairie. Et je vous garantis, le 1er octobre, il y a gagné une nouvelle année fiscale là, n'a pas révolué encore Bordeaux d'être là pour vous encore. Est-ce que la loi n'a pas dit tout, et si il y a un citoyen qui a une institution et qui refuse de payer et doit le taxe à eux, comment nous-mêmes nous capables de réagir? Hein? Alors, il y a un problème de décentralisation. C'est celle DG centrale qui a le droit d'initier une action en justice contre l'institution pour faire payer l'obligation qu'elle gagne envers l'État haïtien. Mais la mairie n'a pas de pouvoir de ça. La mairie n'a pas de pouvoir, autorité ça, la loi va chercher ça pour intervenir. Et même ça, on fait ses bas pressions, on voit pas où aller, et puis écrit DG centrale pour faire ça. Mais par contre, on structure qui veut dire que les communes ont accès. Pour initier une action devant le tribunal pour le contraindre, les citoyens ou les institutions à payer ou devant les citoyens gagnés envers la commune. L'État fait obligation, mais l'État lui-même lui baille de moyens. Tout. Par exemple, on prend la situation Hôtel Calico, nous connaissons qui fait face à la question de sécurité, gang envahi zone, et l'hôtel n'a pas fonctionné, etc. Et leur tenu compte de toute réalité, ça, et magistrat.
Et nous voyons Bordeaux normalement, nous taxer malgré que l'État pas en mesure garantir sécurité pour que l'hôtel allait même fonctionner. Non, l'hôtel n'a pas fonctionné, ça a eu environ une année. Ah, ok. Vous comprenez, ça a eu une année qu'on a fonctionné. Et je pense que pour, pendant l'année, ça a tout, l'État, et nous-mêmes, au niveau média, nous comprenons ça, au niveau DGI, nous comprenons tout ce qui va rentrer en rien, nous comprenons ça. Mais pour les années précédentes, il y a eu l'État haïtien, au niveau fermage, et il y a eu CFIB à tout. Et m'a dit bien, l'or fermé au tel tour, sous fermé, il faut écrire DGI pour dire que pour l'instant, et que vous parlez en fonction. Le ça, ou pas payer et pour le gratif là, mais on va payer ces magistrats, puisqu'on est toujours sous terrain. Magistrat, puisqu'on connaît nous dans un contexte qui est particulier là, côté Gompan et compagnie d'Issel enregistré, et ils ont identifié pendant un niveau Calico, côté Capsou, Marien Passea, et responsable Calico tout profiter dit pour ba accès fo dit celle capable rembourser l'argent etc. Et c'est dans contexte ça ou même ou a dénoncé responsable qui pas payé et CFPB ou bien pour locatif comme vous voulez expliquer moun yo et impôt ça ou bien et CFPB ça va expliquer et pour qui ça et responsable Calico même yo gen obligation et qui rapport ça ta gagner entre CAB n'a parlé à là ensemble avec autorité locale yo. Donc nous ça nous gen comme intérêt. Lorsque, par exemple, nous sommes en difficile, qu'on y a quoi de gang à prendre pays, y'a. Et tout près de nous, à Cabaret, gagnons un groupe gang qui de tout autre qui a fait fortune pour rentrer dans la commune. Donc, c'est grâce à la communication qui permet que nous, même avec la police, nous arrivons à aider sous barricade, gérer barricade pour nous permettre que les bandits pas rentrer. Maintenant, dans cette situation comme ça, je pense que Calico devait supporter et dit ça pendant un moment crise et puis coup bagaille commencer à améliorer il t'a capable reprendre qui sont ça mais le fait que les populations a souffri en particulier mon acaire a souffri pour communication hein, et la programme doit aller et libérer obligation de droit libérer devoir à obligation de gain envers commune dans pays taxe que le pays à commune donc c'est là nous profitons de l'occasion ça pour nous montrer. Et Calico, mon Calico, il y a aussi des mauvaises voies. Parce que quand on est les gens qui ont commandé des copes blancs, alors que c'est comme taxe qui pour payer emploi et mairie, qui pour faire développement dans la commune, qui pour propter la commune. C'est ça, nous mettons les actes sur. Oui, allô? Ça va? Oui, moi là. Ok. Pour question CAB, ce matin, on a parlé. Donc, il y a une partie qui sort ici. Alors, passé dans la mer, qui prend parti dans la plage là, et qui a traversé propriété privée. Oui, Calico. Calico. Donc, tu as un contrat ensemble avec Digicel sur un montant X que tu dois payer. Oui, tu dois payer. Ok. Qui nous-mêmes, tu nous vas ignorer, non? Mais pendant ce temps, il y a payé un montant X, hein? Mais et Calico lui-même, dispose de payer fermage qu'il doit y faire à DG pour le payer chaque année, et il doit payer tout, les montants qui a lui à l'être CFPBA. Ok. D'accord. Nous comprenons ça. D'accord. Okay, ça. D'accord. Mais merci un peu, le magistrat Jules Jean Edner. Merci à moi-même de remercier. D'accord. Bonne journée. Où c'est magistrat commune Arcaillère.